à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up, et je vous propose aujourd'hui cette petite carte qui est en fait assez simple. Elle a juste un petit mécanisme que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour réaliser cette carte, voici le matériel dont nous aurons besoin. Une base de carte qui mesure 14,85 cm sur 21 que je n'ai pas encore pliée. Il va falloir deux morceaux ici de papier décoré. Dans mon prototype, j'avais embossé une feuille de papier blanc qui mesure, alors au départ, elle mesure 10 cm sur 14,35. Si c'est une feuille que vous embossez, le mieux c'est d'abord de l'embosser et ensuite de la recouper à 5 cm ici. Il va aussi falloir deux cercles. J'ai pris ici les deux plus grands cercles du lot de poinçons pyramide de cercle. Ici, si vous souhaitez aussi faire une petite décoration à l'extérieur, en fait, c'est le plus grand cercle festonné que vous devrez utiliser. Sur une chute de papier blanc un peu grande, pour que ce soit un peu plus facile à manipuler, je vais d'abord faire un pli à 1/2 cm. Et ensuite, je vais couper à 1 cm. J'obtiens donc une petite règle comme celle-ci. Alors vous voyez justement comme le pli et la bande est étroite et le pli est petit, il vaut mieux le faire sur un morceau un peu plus grand, c'est plus confortable. Nous allons maintenant pouvoir marquer les plis de notre carte. Alors avec la grille de marquage, c'est très simple. En fait, on a une petite marque ici qui représente 5,25 cm. Et en fait, c'est ça que nous allons utiliser de part et d'autre du papier cartonné. Et voilà, les plis sont faits. Si vous n'avez pas la grille de marquage, c'est tout simplement un pli à 5,25 cm de chaque côté de votre carte. Nous allons maintenant pouvoir faire un peu de tamponnage. Donc j'ai deux cercles, un qui est un peu plus grand que l'autre. Sur mon grand cercle, alors j'ai choisi soigneusement mes tampons pour qu'ils rentrent dans mes étiquettes, et j'ai choisi d'utiliser le set de tampons tout en flocons qui est dans le catalogue, mini catalogue automne-hiver. Il s'appelle mini catalogue d'août à décembre. C'est un peu la même chose, mais ça n'est pas la même appellation. Sur le cercle le plus grand, j'ai envie de mettre un flocon qui est en mystérieuse brume, et je ne vais mettre que cette illustration sur un papier blanc parce que ça va permettre de trancher avec mon fond. Et puis sur l'autre cercle qui va se trouver derrière, qui sera un petit message surprise, j'ai envie de faire une petite décoration mais vraiment discrète. Donc je vais tamponner mes flocons en seconde génération parce que je veux pouvoir y ajouter un peu de texte, et il faut que mon texte soit quand même bien lisible. Et ce texte, j'ai choisi une tempête de merci que je vais tamponner en mystérieuse brume. Voilà, nous allons maintenant pouvoir faire le montage de la carte. Avant de coller les décorations sur la carte, nous allons d'abord faire le petit mécanisme. Alors, je marque bien mes plis. Vous voyez que ce qui est merveilleux avec la grille de marquage, c'est que notre pliage est parfait au milieu. Sur la petite baguette que nous avons préparée, je vais en fait la prendre devant la carte. Elle ne se verra pas, donc ça n'est pas bien grave si mon découpage n'est pas forcément tout droit. Je vérifie sur le cercle que j'ai une baguette qui soit un peu plus petite que le cercle, et je fais la même chose sur le deuxième cercle. C'est le même mécanisme qu'on va poser de deux côtés. Je positionne sur la carte l'endroit où je souhaite mettre mes deux cercles. Lui, le deuxième, le texte va se trouver en dessous. Je le place et ça me donnera, je vais tracer un petit trait au crayon un peu en dessous, voilà, comme ça il sera caché par le cercle. Et cette petite baguette, je vais la coller sur la carte. Là, je la colle avec un filet de Tombow. Évidemment, vous pouvez choisir l'adhésif de votre choix. J'aime bien une colle liquide pour cet exercice parce que ça me laisse le temps de bien positionner
ma petite baguette de papier. Et ensuite, je remets de l'adhésif de l'autre côté de la baguette pour coller mon cercle. Et donc là, j'essaie autant que possible d'avoir un message qui soit droit. Et là, il s'agit de faire bien attention que la colle n'est pas bavée. Si c'est le cas, soit vous l'essuyez tout de suite, soit vous la laissez sécher et vous l'enlevez avec une gomme à adhésif. Maintenant qu'ici nous avons mis notre mécanisme, on va le cacher et je vais pouvoir mettre ma décoration en papier de série design que je vais coller avec du Stampin' Sear. Je préfère son nom en anglais, à vrai dire. Je trouve que c'est scellé, ça n'est pas très clair. Voilà. Et alors là, je le positionne tout au bord parce que comme ça, il donnera l'impression de faire une jointure. Par contre, il faut faire attention à la charnière. Il ne faut pas que ça gêne la charnière de notre cercle. Et on fait exactement la même chose sur l'autre panneau. Je vais donc mettre à nouveau mon cercle à l'endroit où il va être. En fait, il va forcément être au-dessus de celui-ci. Donc, si je mets ma baguette au centre de ce cercle-ci, je suis sûre d'être au bon endroit. Je la place tout simplement et ensuite je la dégage parce que si jamais il y a de l'adhésif qui coule, je ne veux pas que ça aille sur mon étiquette en dessous. Voilà, je peux aussi mettre mon papier de série design à ce moment-ci, ça fonctionne aussi. Et je le place en face de son copain, comme ceci. Et je vais maintenant pouvoir mettre le cercle. Voilà. Et donc là, je fais bien attention, je referme ma petite languette et je fais bien attention de poser mon cercle de manière à ce qu'on ne voit pas celui qui est en dessous, sinon toute la surprise est gâchée. Je soulève un peu mon cercle pour vérifier qu'il n'y a pas de colle qui bave. Et non, tout est parfait. Voilà, la carte est terminée. C'est vraiment un système très simple. C'est le petit mécanisme qui mérite son intérêt. Alors, sur des cartes sombres comme celle-ci, ça va encore. Je pense que si j'écrivais en noir, ça se verrait. Mais sinon, j'aime bien soit mettre un fond blanc, soit écrire avec un feutre blanc. Vous savez qu'on a des feutres craie chez Stampin' Up. J'essaye de vous le retrouver. Le voici, voilà, un feutre comme ceci. On pourra écrire sur la couleur foncée. Et sinon, vous pouvez aussi mettre une feuille de papier blanc, un papier simple, le papier que vous utilisez pour passer dans votre imprimante. Et puis, parce que comme ça, quelquefois, j'aime bien proposer au destinataire de ma carte de la réutiliser pour l'envoyer à quelqu'un d'autre pour passer un peu de soleil ou de neige ici. À d'autres personnes. Voilà, je vous remontre un peu tout ce que nous avons utilisé et puis les prototypes. J'espère que cette petite carte sans prétention vous aura inspiré, vous aura donné des envies. Si c'est le cas, envoyez-moi vos photos. Et puis avant notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.